Vous avez tous joué à Smash Bros ici, je le sais. Vous avez tous fait la lueur du monde, World of Light comme on peut l'appeler, mais est-ce que vous avez pensé à le faire en Nuzlocke? J'avais déjà tenté sur la chaîne. En gros, c'est comme dans Pokémon. Même principe, vous avez votre team de personnages, dès qu'il y en a un qui meurt, il est mort. Et vu que dans World of Light, on récolte des personnages au fil du temps, on skip les cinématiques, on s'en fiche. Et bien là, c'est pareil. On va au tout début avoir Kirby. Si Kirby meurt dès la première mission, il est mort. On ne peut plus l'utiliser et c'est un échec. Dès qu'on récupérera par exemple Mario, si Mario meurt et qu'il nous reste Kirby, on peut continuer. C'est comme ça que ça va marcher. Et donc on va tout de suite partir sur la première mission, l'objectif final étant d'arriver là. Au minimum, enfin au minimum, parce qu'après il y a d'autres, enfin bref, il y a d'autres boss, vous savez si vous avez déjà joué à Smash Bros. Donc, Molosco fumant, on commence, je commence normalement avec tous mes esprits, on perd pas de temps, ça j'aurais pu le reset, j'aurais pu... Wait, attendez. Je n'ai pas mes esprits 99? Si, je les ai. Bon, on va commencer avec un esprit niveau 1, ce sera plus fun. Mettez-moi ça automatiquement. Anti-métal, c'est logique. C'est logique en soi. En avant. En avant avec Kirby. Alors, il faut savoir que j'ai pas joué à Smash depuis un long moment. Et même avant ça, j'étais pas particulièrement fort. Donc, ça va être une expérience. Ça va être spicy. On va voir ce qui va se passer. Alors, ouf, déjà, je me souvenais plus de comment on jouait. Attendez. Ok, c'est bon, je me souviens. Ça fait un long moment, ça doit faire plus de 6 mois que j'ai pas joué à Smash Bros, même beaucoup plus que ça. Je crois que ça fait 8-9 mois que j'ai pas joué à Smash Bros. Wow. Non, ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment un an que j'ai pas joué à Smash Bros. Donc on va essayer, mais ça va être un peu YOLO. Ok, en plus Kirby, c'est pas mon main du tout, donc c'est exotique. Jusqu'ici, ça se passe bien, mais bon, c'est le premier ennemi, donc j'espère bien. De toute façon, si je perds ici, bah on recommence déjà une partie, hein. Ça serait quand même bête de perdre maintenant. Regardez. Voilà, facile. Jusqu'ici, très simple, très simple. Ça commence bien. Hop là, on skip tout ça. Premier épisode, on va essayer de faire peu de montage, histoire que vous compreniez le principe pour ceux qui n'auraient pas trop joué à Smash Bros ou à World of Light, ou même qui n'ont pas compris tout simplement ce que j'ai expliqué. Les prochains épisodes vont être beaucoup plus montés. Hein. Attendez-vous à du montage de qualité. Le souvenir, ces trois Yoshi peuvent être assez vénères, vu qu'ils ont tous des évolis. J'ai rien dit. Ah, c'est un one shot, carrément. Ah, attendez, il est pas mort, lui. On va aller le chercher. Non, dommage. Un peu trop. Bon, décidément. Et c'est gagné pour le deuxième niveau. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Je commence à réussir à nouveau à jouer à Smash Bros. Ça commence à revenir. D'ailleurs, si quelqu'un dans les commentaires est très fort à Smash Bros, mais est sacrément fort à Smash Bros, je vous l'avoue, je suis chaud pour avoir un coach. Parce que c'est un jeu auquel j'ai toujours voulu me mettre, mais je sais jamais par où commencer pour m'améliorer. Vraiment, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, j'espère que pour vous, ça lag pas trop. Là, je suis en train de regarder le record. Je suis en train de regarder ce que ça record. Et pour moi, évidemment, c'est 60 FPS, voire 50. Je pense que c'est plutôt 50 parce que je suis sur Switch. Mais je crois que mon avatar média pue un petit peu la daube. Donc on va voir si pour vous ça lag. Ça a l'air de légèrement lagouiller parce que ça a l'air d'être en 30 FPS. Bon. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah, ok. Ça n'a pas fait l'animation que j'avais gagnée, mais écoutez, j'ai gagné. Il m'en faut pas plus. Et Absol est déjà niveau 25. Absol qui est en train d'XP comme un gros porc. Clairement, il a fait 3 combats et déjà level 25. Premier personnage, voilà. Bon, on connaît. Merci. Mario qui a beaucoup plus de force que moi d'ailleurs. Hein, qui a 2500. On va voir ce qui se passe. Ça serait quand même bête que je perde sur le premier personnage. Et puis Mario. Mon Mario est beaucoup mieux que mon Kirby. Donc j'espère bien qu'on va réussir à le choper. Ok, attendez. Là, on peut le faire. Le disrespect, un petit peu quand même. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, mais je ne sais pas comment on fait pour avoir du respect, tout simplement. Je ne sais pas faire, jamais su faire de ma vie. Je sais pas, je disrespecte énormément. Il faut savoir que c'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est faux. On va essayer un petit peu Mario, voir si j'y arrive réellement. Là, ça va être un peu... Oh, c'est PV en plus. Oh, j'ai peut-être pas pris le meilleur choix. Attendez, mais ça se passe plutôt bien. L'Europe n'arrive à rien. Oh là là, mais attendez. Mais Mario est trop fort. Mario est trop puissant en fait. Les gardiens de Zelda Breath of the Wild, ils les éclatent. Vraiment, Mario sera dans Hyrule Warriors Breath of the Wild. Je connais pas son nom au niveau Hyrule Warriors. L'ère du chaos, une connerie comme ça en français. Je sais plus. Alors là, très intéressant. Quel personnage on veut prendre? Je me souviens plus qu'il y a donc Shake, pas mal. Shake, je ne sais pas. Villageois, Mars. Alors, je suis plutôt bon avec Mars.
Mais est-ce qu'on tenterait pas le beau jeu? Alors je sais que ça va être le beau jeu, hein. Je ne sais pas si je vais être bon avec ou pas. Donc on va essayer ça. Déjà je pense pas que je sois très bon avec Mario. Je pense pas que je sois très bon à Smash tout court, hein, d'ailleurs. Autant le préciser. Attendez, on peut peut-être tenter. Non. J'ai cru qu'on pourrait tenter le beau jeu, mais ah, excusez-moi, pas besoin de beau jeu en fait. Et un troisième personnage. On commence bien pour l'instant, on commence solide. Les deux autres sont bloqués, donc on récupérera ça plus tard. Metal Sonic. Dans ce cas, on va prendre de l'anti-métal, hein, tout de suite. Anti-métal, anti-métal. Bon, je pense que ce combat, vu que j'ai l'anti-métal, ça va être rapide. Très bonne musique de Sonic Heroes, mais c'est fini. Fun fact, je n'aimais pas Sonic Heroes. Voilà, je l'ai quasiment fini, mais je n'aimais pas. Ouais, donc ça dégage maintenant. Pas de Sonic ici, c'est moche. Dégagez avec vos furies, là. Alors, je peux avoir un personnage là, et c'est tout. On va essayer Lapin Mario. Alors, fun fact aussi, j'ai acheté Mario Lapin Crétin. Je pensais que ce serait pas mal, parce que beaucoup de gens disaient qu'il était bien. C'est pas mon jeu. Voilà, et aujourd'hui, c'est la vidéo où on va tilter tout le monde. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, parce que je sais déjà que les commentaires vont pleurer dès que je dis un truc. Genre, oh, j'aime pas tel jeu. Oh, j'aime pas tel perso. Oh, je vais les prononcer chic et pas chèque, ou je sais pas. Je sais que les gens vont être saoulés. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que je vais continuer à faire ça. Je pensais qu'on peut lui manquer de respect. Voilà. Voilà. Suffisait de le grab, d'attendre un tout petit peu et de le lancer. Très facile. Encore, on se bat contre une random, alors je sais pas d'où elle vient. Apparemment, elle vient de la place Mystery Pass, ce personnage, mais j'ai jamais vu. Et pourtant, je l'ai campé, mis en péril. C'est une game qui peut aller à la fois très vite dans mon sens et très vite dans pas mon sens. Genre là, il suffit qu'elle grabe la balle et je suis mort. Non, ça va. Elle a un item. Non, Mario. Bah, tant pis. Et c'est notre première mort, du coup, on passe à Shake, apparemment, qui s'appelle... On va prendre cette couleur, je sais pas d'où elle vient, couleur Breath of the Wild peut-être, non je pense pas. Couleur Impa peut-être. On est reparti, alors ça fait un bon moment que j'ai pas joué le check. Donc, on va voir. Ok, ça y est, je commence à me souvenir d'où est le fun avec ce personnage. Ça revient. Ok, ok, ninja contre ninja. Vas-y, viens. Ok, il y a moyen de s'amuser. Non, j'arrive pas à faire les combos. Non, j'arrive pas. Oh là là là. Ok, c'est bon. J'étais en train de commencer à sentir la sauce, là. Mais tout va bien. Ça sentait pas trop le sapin. Eh, mais attendez, je peux le réparer? Ah bah oui, parce que j'ai déjà les personnages. C'est limite de la triche, en fait. Ouais, maintenant que j'y pense... On va la perdre, cette run. Vous savez, on va la perdre. C'est obligatoire. Je suis pas bon à Smash Bros. Pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit, si quelqu'un peut m'aider. Je suis absolument pas bon à Smash. Mais du coup, on va la perdre. Et quand on la perdra, prochaine run, on le fera sans les esprits. Parce que là, c'est vrai que du coup, c'est un peu de la triche. Cet ennemi dans Pikmin m'insupporte. Et dans Smash, il m'insupporte aussi. C'est génial. Le roi d'Adidou, évidemment. C'est le pire ennemi de Pikmin, bien sûr. C'est pour ça que je peux trigger encore combien de personnes? Combien de communautés je peux encore trigger avant la fin de cette vidéo? Là, j'ai trigger Pikmin. J'ai trigger la commu. Mis en péril si elle existe. J'ai trigger la juste Smash. Ah bah voilà, voilà. En ratant mon final Smash comme ça, j'ai trigger effectivement la commu Smash. J'ai trigger Kirby. J'ai trigger qui d'autre? Je sais plus. La commu Zelda en disant chic, chèque, chic, chouk, chouk. Non, ça c'est pas le même personnage. Mario Golf. Alors là. Est-ce que je vais trigger aussi genre on joue à Mario Golf? Non, on va éviter. Je n'ai pas joué à Mario Golf. Donc je ne triggerai pas ces gens-là, parce que je ne sais pas quoi critiquer. Je n'y ai pas assez joué pour critiquer, c'est bien dommage. Par contre, dès qu'on va tomber sur Xenoblade Chronicles, alors là, faites-vous plaisir. Hein. J'ai tellement joué, je peux vous dire que je vais pouvoir critiquer n'importe quoi. Ce qui va être compliqué, vu que c'est mon jeu préféré, ça va être compliqué, on va le critiquer. Mais je peux essayer! Non, attendez, je peux pas mourir comme ça. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Heureusement, Chic, cours vite! Donc tout va bien. Parce que Chic est une génie. Ou un, d'ailleurs, qui sait. Qui suis-je pour assumer son genre? Après tout, techniquement, Chic est trans. Techniquement. Hop là, ça c'est fait. Easy. Non, non, non. Allez, hop, et là on enchaîne. Non, genre, pas comme ça. Là, comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça, là on est bien.
Non, là on n'est pas bien. Non, non, vraiment, je fais n'importe quoi. Ce move me fait peur. Ce move peut terminer toute ma carrière. Non, il a pris la baguette. C'est la baguette qui va terminer toute ma carrière. On tente le beau jeu. Yes. Est-ce qu'on le tente? Non, 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 non. J'ai failli faire le malin. J'aurais dû prévoir. Ça a failli se finir là. Ok, yes, 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 yes. On y est. Rondoudou fait son entrée. Je maîtrise pas Rondoudou du tout. Ce serait peut-être un peu intelligent de ma part de le prendre maintenant. Comme ça, dès qu'il meurt, bah c'est pas grave. Ok, on va passer par là, on va aller affronter Scarino. Scarino qui me fait peur. Mais on va prendre Rondoudou. Je vais me faire exploser. Je vais me faire exploser. Il est mort. C'est fini. Non, j'aurais dû charger plus, j'aurais dû charger plus. Rondoudou le king. Il faut juste que j'arrive à placer la berceuse et là c'est gagné. Ça doit être à peu près le gameplay de tous les main Rondoudou en fin de compte. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle zone? Ouh. Ça sent le truc compliqué là, j'ai pas fait exprès de repasser. Perry. Perry l'ornithorynque. Ok, elle va juste me faire son upbeat. Si je comprends bien. Vas-y. Vas-y Peach, j'observe. Ouais, c'est ça. Elle fait principalement que ça. Ce qui va du coup être très simple à gérer. Je continue d'avoir l'impression de jouer Kirby quand je joue Rondoudou. Est-ce que je suis le seul vraiment à confondre Kirby et Rondoudou? Parce que j'ai vraiment l'impression de jouer le même personnage. Mais alors qu'ils ont aucun rapport, hein. Juste, ils se ressemblent. Et moi, il m'en faut pas plus. Ah bah, c'est gagné. Allez, bisous. Attendez, le move! Non, bah... Voilà, quand même! Je me disais bien, il me semblait bien avoir vu des vidéos Smash où les Rondoudous, quand ils s'endormissaient, ils one-shotaient. J'avais raison. Rondoudou, le king. Moi qui disais, oh, je l'ai jamais joué, ça va être compliqué. Pff, Rondoudou, c'est simple. C'est pas si difficile. Je le maîtrise largement pas, mais... Yoshi! Je le maîtrise largement pas. Et ça va le faire. Oh, le soleil de Mario Sunshine! Qui est hypé pour la ressortie de Sunshine? Certes, c'est pas un vrai remake. Mais moi, je suis hypé. Je pense que je vous ferai un petit let's play de Galaxy, parce que ça va faire près de 10 ans que j'y ai pas joué. Ça va faire 8 ans que j'y ai pas joué, donc c'est un peu une redécouverte de mon côté. Non, 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 j'ai raté. Le karma. Non, il dort pas. Il peut se protéger contre ça. Vous avez déjà vu un Rondoudou avec une épée? Voilà comment ça se passe. Il lance l'épée. Parce qu'après tout, pourquoi se battre normalement? Ah. Non, je suis mort, je suis tellement mort. Non, ça va. J'essaie de le gimmick en fait. J'essaie de lui mettre la gimmick dans la bouche. Mais ça ne marche pas. Parce que je ne sais pas comment ça marche. Ah. Oh. J'aurais bien aimé le tuer avec soit le up B, soit le down B. Juste pour la gimmick, juste pour le même. Ça serait un même si j'arrivais à tuer tout le monde avec ce move de Rondoudou. Malheureusement, je sais pas jouer à Smash. Donc c'est pas simple en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre random qui commence à s'énerver. Oh, je vais tous vous baiser vos familles. Allez hop. Ah ouais, mais il est pas un peu chaud ce donjon là pour commencer? Je pense que c'est peut-être pas le meilleur où commencer, ouais. Je pense que ma strat était mauvaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de stratégie. On va pas aller par là. On va aller par là-bas. Et je suppose qu'on pourra normalement arriver à faire le tour, à revenir au spawn et à grab les deux autres personnages qui est là-bas. Ce qui nous ferait une belle avance. Oh, Eden! Je commence à comprendre. Par contre, contre trois personnages, c'est peut-être pas le meilleur plan d'utiliser cette technique. C'est la fin du Rondoudou, je crois bien. Et puis, ils ont les fusées, évidemment. Défaite, défaite. Le Rondoudou est mort. Rondoudou est mort. Je suis désolé, Rondoudou. J'ai essayé. J'ai essayé, t'es juste pas bon en fait. Pensez que Yoshi peut le faire. Attendez. Non, 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 non. Non. Yoshi ne mourra pas aujourd'hui. Je vais break son shield. Ok, un de moins. Oh! Le tir! Le Saint-Tyr! Et qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Un village? Ouah, Métor! Oula, il y a du perso par ici. On peut faire le tour? Est-ce que je serais pas en train de me planter de route? Non, je pense que c'est bon.
Vous savez quoi? On va la ruiner cette ville. On va ruiner tous les gens qu'il y a dedans. Et juste avec Yoshi. C'est pour ça que je tape le shield en fait. C'est une technique. Et d'un, et hop, et le coup de pied dans les fesses. Allez, ça c'est fait. Bon, ça va aller, j'ai l'impression. Regardez ça. Regardez ça. Et il fait quoi lui, le petit là? Allez, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. C'est facile. Non, Yoshi. On enchaîne. J'ai dit qu'on les détruit tous. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Yoshi les a tous détruits. Regardez dans ses yeux. Regardez le vide. Regardez la destruction dans ses yeux. Ça, c'est un Yoshi. Ça, c'est un bon Yoshi. Et Paysmi, alors ça c'est nul. Alors là pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'aurais préféré ne pas trouver aussi vite. Parce qu'il va mourir. Il va mourir, je vais pas le conserver bien longtemps celui-là. Allez, je sais que j'ai pas le type qui avantage, mais je peux pas perdre contre un PNJ quoi. Je peux pas perdre contre un CPU et Paysmi. Ce serait... Paysmi en plus, enfin, je veux dire, à un moment. Perdre contre Paysmi même en tant que joueur c'est un peu la honte, mais un PNJ, on va juste attendre. Voilà. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le manque de respect. Et maintenant on a récupéré le meilleur personnage de tout le roster dans le jeu. Vraiment, ouais, seulement les Paystomy, c'est suffisant pour faire tout le roster. Je vois même pas pourquoi ils nous ont pas fait juste, au lieu de faire Smash Bros, vous savez Smash Me, ce serait beaucoup mieux, avec que des Mi en fait. Et je remarque maintenant à quel point Smash Me, ça a l'air sale. Genre vraiment, je m'en suis pas rendu compte en le disant maintenant que je l'ai dit. Oui, il y a du montage dans cette vidéo. Mais je sais que maintenant que je l'ai dit... Je suis quand même obligé de ne pas couper ça au montage parce que c'est tellement dégueulasse, vous allez avoir envie de le voir. Mais des trucs comme ça, ça va rester sur internet, ça va rester longtemps, et j'aurais préféré ne pas dire ça. Voilà, c'est fini. Attendez, on est tout, si on cherche le 2 comme des retards au milieu de nulle part, c'est vrai que ça n'a pas marché. Lui, il a le sabre de Fire Emblem qui m'a fait faire des coups critiques. Moi, j'ai le légendaire sabre de Fire Emblem que tu peux balancer, en fait. Voilà, évidemment, dans Fire Emblem, vous vous en souvenez... De ce grand sabre avec les flammes, bien sûr, bien sûr. Tous ceux qui ont joué à Fire Emblem peuvent en témoigner, bien sûr. Surtout le dernier. J'y ai pas joué, mais je me doute que s'il y a clairement pas dedans. C'est logique. Ou attendez. Ah, mais faut passer dans le tunnel. Hein. Ah, mais il y a... Ah. Il y a une barrière. Qu'on peut pas passer. Bah, demi-tour. Ma strat était pas mal. Mais finalement, elle était nulle. Regardez ce Yoshi. Regardez comment il court. J'aime beaucoup. Yoshi, mon nouveau main. Évidemment qu'il y a le DK, quoi. Le seul et l'unique. Rose en plus. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Oh non, non, non. Non, non, non. Je suis contre le maltraitage des animaux. Mais là, c'est Yoshi qui se fait maltraiter. À un moment, il faut faire un choix. Un animal ou un Yoshi? C'est pas vraiment un animal, c'est un chelours. Il est plus là. Non, reviens. Vous savez que je vais perdre. Que mon Yoshi va... Vous savez que mon Yoshi va perdre. Vous savez que j'ai aucune chance. Non, il a le flingue. Qui a pensé que donner un flingue à un chimpanzé pourrait être une bonne idée? C'est même pas un chimpanzé, c'est un putain de gorille. Ne faites pas ça. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée. Non, 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 non. Attendez, peut-être que... On peut peut-être le faire, attendez. Oh. Non mais il veut pas trébucher sur la banane. Attendez, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est le moment, c'est le moment, regardez. Je vais avoir le final smash en plus bientôt. Ok, là je peux faire quelques dégâts. Si j'y arrive. Final smash. L'armée de Yoshi viendra te détruire. Pas de singe avec un flingue, c'est de la triche. Et voilà. Oh putain, mais le final smash qui m'a vraiment sauvé la vie pour le coup. Et une nouvelle zone encore une fois. Et là, il y a quelques personnes. Il me semble... Non, c'est pas Shulk dans la cascade. C'est pas Shulk... C'est qui ici? C'est Pikachu, non? Je crois qu'il y a Pikachu quelque part par là ou Shulk quelque part. Je sais plus où. Mais j'aimerais bien voir Shulk. Et ça, je sais pas qui c'est. Ça, j'en ai aucune idée pour le coup. Et donc là, est-ce qu'on peut faire un... Attendez, le tunnel? Le tunnel. Attendez, c'est par là?
On peut avoir un autre personnage. On est bien là. On est pas mal. On a moyen de grab du perso. Ok, c'est bien. Mais nous, on va s'arrêter là. Voilà, ça fait tout pour ce premier épisode du Nuzlocke Smash Bros. N'hésitez pas à mettre un like, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup sur la chaîne, mais j'essaie d'expérimenter un petit peu, j'essaie de switcher. Je fais pas mal de Nintendo en ce moment parce que Nintendo me hype, hein, c'est les seuls qui sortent des jeux que je trouve vraiment quali en ce moment, donc je suis à fond dedans. Et puis toujours bien aimé Nintendo, hein, clairement. Donc voilà, si ça vous hype, mettez un petit pouce bleu, partagé, et peut-être dans l'avenir, quand ils ressortiront les Mario, un petit let's play de Mario Galaxy. A voir, mais voilà, sur ce, à plus et à dans quelques jours pour la suite de ce Nuzlocke. Allez, zou!